Avec mes gros seins, oui. Non, ça, ça va se tirer. Ah, en forme de miche. Oh, miche va bien. Oui. Ah, merci. Michaud. Michaud, oui, froid. C'est pas un cactus, hein. Désolé. Ouais. Mais ça, c'est à qui? Attends, voilà. Je ça à vous. À toi. À Leclerc. Ah oui. Ça, j'ai jamais vu que vous demandez des trucs comme ça. Merci. Il y a de quoi? Tu veux que je te donne un bisou? Et ben, ma foi. Tu verras bien. Ouais, mais faut que... chaud, ah je veux le bisou. Allez, je veux juste le bisou. Voilà. Ouais, ben... Ah. Même si c'est que pour aller dehors. Ouais. Il y a le son. Bon, voir si mon chat est dehors. Oui, il y a le son. Ouais, mais le problème, c'est que moi... Ah, tu vas jamais dehors? Si, pour voir si mon chat est dehors. Ah, ben pas, voilà. Mais il n'est pas encore dehors. Ah, et pourquoi il n'est pas encore dehors? Parce que celle-là, elle me refuse de le laisser dehors. Elle était bonne, l'oie, dimanche. Eh, on n'a pas mangé l'oie. On n'a pas eu le temps de la tuer. Arrête, je te dis. Il n'a pas eu le temps de la tuer. Comment tu veux que je dors avec un truc... Qui est pénible, donc, tu es. Donc, comme on n'a pas pu la tuer, ben, on n'a pas mangé. Il y a plein de pépites. Il n'a pas pu la tuer. On n'a pas eu le temps de la ben, tuer. Il fallait la tuer. Des pépites dedans. Avec sa mère qui est sortie de la maison, de la clinique l'autre jour. Tiens, c'est là, c'est ouvert. Et où elle est alors? À la maison de retraite. Tournée à Miramas. Elle est sortie le 23. Attention parce qu'on entend tu tout. Tu ne la récupères plus dans le chalet. Ah ben non, c'est allez, sors ce que tu as là-dedans. C'est impossible, elle ne marche pas. Oui, allez, que je elle vais est... couper. Elle est en couche. Elle est en, elle est en couche. Elle est enceinte encore. Ah, elle était enceinte, oui, l'autre jour elle était enceinte. Attends, c'est elle qui disait ça, elle perd la tête. Mais alors, oui. Elle a dit à Jean-Pierre, je crois que tu vas être fâchée. Il lui dit pourquoi? Oh là là. Ben parce que je suis enceinte. Ah, ouais. Maman. Je n'aurais pas le temps de les sucer. Alors, il faut que je regarde ça. Ah, si. Ça m'a l'air bien joli, ça. Ouais. Bien. Je pense qu'en taille, ça devrait, parce que regarde. Grand. Très bien. Hein? Et en plus, ça m'a l'air bien joli. Parce que c'est que du L. Mais c'est un grand L. Ah ouais, il me semble que c'est un grand L, ça. Regarde. Ouais. Normalement, c'est ah ouais, c'est un très grand L, non. Je l'ai mesuré sur d'autres, c'est les XL, ils étaient pareils. Non, ça c'est, ouais. C'est... Ou alors c'est mes loupes, mais alors, moi je vois très grand. J'avais une bonne femme, mais un peu plus âgée que moi, je dis... Vous trouvez que c'est... Je cachais ça, je dis, vous trouvez que c'est quelle taille? Ouais, ben, je dis, c'est XL, elle a dû te dire. Elle me dit, ça doit être XL. Ben, je dis, non, justement, c'est L, mais à mon avis, ça taille grand. C'est eux, ils se sont plantés, je pense. Mon mari, je prends XL et... Bon, puis ça va pas en change. Jean-Pierre marche en X. Lui, en pratique, je prenais XL, 2XL. Ouais, mais justement, il semble grand. Mais là, en plus, il le met sur un pull. Sur un pull, ça va être un peu... Alors, s'il arrive à le mettre là-dessus, c'est que ça va. C'est que ça passe, hein. Ah, je vais le je le trouve classe, ce pour pull. Pour aller à Marseille, comme ça, j'aurais... Ah non, mais il est classe en plus. Hein. Non, il est joli. Il a le pull en dessous. Oui, il a le pull en dessous. Sans très joli. Le deuxième pull. Ah. Ouais, non, c'est bien. Très joli, ouais. Ah. Ouais, ça, on enlève. Non, ça, on va le laisser comme ça, on va le retrouver. Oui, je sors de Marseille, il est rayé. Et alors, il va plein tout. En plus, c'est la sortie presque aux cheveux. Non, mais il veut dire de la prison. Non, tu peux l'enlever parce que tu vas mourir de chaud. Allez. Mort d'horreur. Mort d'horreur. Mais le téléphone est un peu moins. Et mes sur oreilles. Le tes oreilles, ben, elles sont pas grandes tes oreilles. Là. Attends, on va sortir. La manche est retournée là. Oh, tu t'es mis dans des frais, il va falloir que je te les rembourse. Oh oui, c'est ça. C'est pas moi, c'est le Père Noël. Ah. Bon, et...